J'aimerais que tu me dises quelle est ta pensée au sujet de la mort. Au sujet de la mort, tu veux dire avec le bagage des journées ou ma pensée personnelle? Ce que ça t'inspire, quoi. Ce que tu es maintenant, c'est que à notre époque, tout le monde devrait avoir une opinion sur ce qu'il y a après la mort, en tout cas, ou ce qu'elle enlève. Parce que si tu ne sais pas si tu as un au-delà ou quoi, qu'est-ce que ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu, quoi. Il faut forcément que tu aies une opinion. Ça, c'est vraiment con. Parce qu'à une époque où on donne tout à bouffer à tout le monde et qu'on leur demande de penser de moins en moins, on a l'impression que si tu ne sais pas où tu vas, tu n'as rien à foutre ici, alors que Dieu sait que on ne sait pas ce qu'on fout ici tant qu'on fout la merde dans ce bas pays. Nature first, baby. Ma grand-mère a les yeux lapis lazuli. Elle est morte, elle doit plus être lapis lazuli. Ça voudrait causer des conneries. Ah, mais c'est le regard du prêtre, le regard de l'horizon, le regard des coraux, le regard de l'horizon. Ou alors ce serait le dernier filet vert qu'on voit quand le soleil touche l'eau. Parfois seulement quand on le voit comme un vieux pirate à l'horizon. Et même quand on le voit pas. Hein. Ceux qui le voient, ouais. C'était face à quelqu'un qui t'est cher, quel serait le sentiment qui te dominerait quand s'il était mort? Ah ouais, du coup, probablement pas le sucer, ça serait malvenu à la caméra. Bah non, on ne sait jamais. S'il est pendu, il bande. Hein. Tais-toi un peu. Enfin bref. Beaucoup de respect, un peu de mise en garde, savoir s'il ne me devait rien comme fric, je vais dire, je ne suis pas. Ben, on ne sait jamais. S'il a les poches ou la porte ouverte. Non, savoir avant tout, évidemment, si c'était quelqu'un de bien. Si c'était vraiment quelqu'un de bien, si c'était un père qui m'a tout appris, ma foi, c'est sûr qu'on te ferait beaucoup de mal. Hein. Moi je dis respecter les gens qui vous en apprennent beaucoup. Laissez les connards tomber et puis. Non, vous avez travaillé au bar. Non, c'est bon, au bar. La vie est un jeu et la mort n'est pas loin. C'est par là. Mais ce qu'on en fait, c'est notre doux chemin. La vie est un doux chemin. Bonjour. Quand on n'est pas là, on n'est plus là. Et quand on est là, on n'est plus là. Et une dernière question. Toi, quand t'as l'idée de ta propre mort, quand t'as l'idée, la perspective de ta mort, qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est la réflexion et le sentiment que tu aurais à livrer Tous les jours. Alors physiquement, déjà, je ramperai jusqu'à Banteshmar, d'ailleurs, donne bien l'adresse, Banteshmar au Cambodge. C'était une ancienne putain de... Non mais c'est beau, c'est un vieux temple au Cambodge, quand est-ce qu'il est encore vrai, mais c'est encore plus tranquille, c'est perdu. Et alors là, t'as une vieille chapelle, c'est Morbonne, c'est une espèce de tour, où t'as quatre regards qui regardent les quatre coins de l'horizon, évidemment. Morbonne, ça veut dire quatre faces. Morbonne, ouais. Et du coup, c'est là que j'ai envie de crever, parce que là, t'as les nénuphars, t'as les enfants qui viennent se baigner, et à 5h du mat, t'as les... Le jour où le pose se terre, et, enfin, de tous les soleils bleus qui siestent pur azur nu ton ciel menacre. Si je l'aurais pas volé cette sieste-là. Non, une fois qu'on s'en va le cœur léger, moi j'ai déjà failli crever quelques fois. Et si je suis toujours là, j'imagine qu'il me reste un petit truc à faire. Montre un peu ta cicatrice. Ça. Ta cicatrice. Tu veux voir ma cicatrice? Est-ce que tu veux bien nous montrer ta cicatrice? Au kino l'année dernière. Ah, c'est le kino là en face. J'étais wick. T'as l'un après l'autre. Tu veux la lécher? Un coup de machette. D'habitude les gens la lèchent. C'est 2 dollars. La Ferroine de 94. Maintenant c'est 5 dollars.
Qu'est-ce que t'as donc ? D'accord. Enfin, la vie est ainsi faite, c'est pour ça que, vu qu'on est encore là, on se dit, autant faire de la connerie. Ça nous allonge le temps de vie, parce que vu que. Voilà. Apparemment, on doit faire un truc sérieux sur Terre avant de claquer, autant faire quelques. J'ai joué à... Et puis surtout, n'oubliez jamais qu'on n'est jamais que le véhicule qui transporte. Et non, moi j'en ai... Qui nous dépasse. Ah non, ça a arrêté de me dépasser. T'as vu, ça a tellement, c'était... Et on est tous des fans des parents. Comment, qu'est-ce que tu dis, pardon? C'est très compréhensible, tu y penses, tu deviens fou parce que tu ne comprends pas moi. Tu es déjà fou avant, mais là, ça fait un trou noir, ça fait plop dans la tête. On a tous la corde, on a tous plein de cordes, on a tous... C'est en train de faire le plus long plan séquence. Ah, c'est pas de la carotte, je plaisantais. Mais... Là, la taille de la boîte. Du coup, il y a Robin, je fais, ouais, mais là, c'est pas de la carotte. Et dans ma tête, je fais, mais faire de la carotte. Ah, on est tous fans de carottes. C'est complètement encore, mais attendez. Ouais, ouais. Et je crois que les gens ont mis dans ma tête, ouais, et mon cerveau a fait, ah, on est tous fans de carottes. J'avais l'intention qu'elle est avec le. Pardon, pardon, pas tous les temps.